Et salut à tous les amis, et bienvenue sur un nouvel épisode de On construit un château fort. Ah là là, ça fait plaisir de retrouver vraiment ce petit monde que j'aime beaucoup sur le serveur des maçons du cube. Et donc du coup, la dernière fois j'avais tout déménagé là, c'est quand même bien pratique, je me suis fait une chambre provisoire dans la tour qui est derrière. Et en parlant des tours, justement, là je vais attaquer donc la construction de la tour qui va être là-bas. Alors elle est déjà bien avancée hein, quand même, puisque j'ai monté la pierre au maximum que je pouvais monter pour l'instant. Enfin quasiment, si je rajoutais énormément de poutres en fer, peut-être que je pourrais monter un petit peu plus. Mais en fait, c'est pas ce que je vais faire, parce que je vais la faire très légèrement différente. Alors en fait, il va y avoir le même système de machicoulis ici, à cet endroit-là. Par contre, au niveau la partie supérieure en bois, je vais la faire plus haute avec d'autres fenêtres intermédiaires. Et je pense que ça devrait donner un petit truc plus sympathique. Alors du coup, c'est parti mon kiki, je m'occupe de cette tour et on se retrouve après pour l'avancer sur la chapelle et tout ça, vous allez voir, on va se faire un truc bien sympa, bien badass. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, encore un, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable les amis. Le nombre d'oiseaux qui se posent sans arrêt. Écoutez, ça fait 5 minutes, voilà, regardez, voilà. Ça fait 5 minutes hein, que je suis là. Voilà, que je fais ça, et encore quand je dis 5 minutes, j'exagère peut-être, hein. Regardez que je vous mens pas. Hein. Regardez, c'est un truc de fou. Bon bah, lui, il est parti. Bon bah, lui, il est là, voilà. Bon, je l'ai loupé. Bon, c'est pas grave, de toute façon, regardez, en 5 minutes, j'ai 48 plumes. Alors, qui c'est qui dit que chasser les oiseaux, c'est pas compliqué. Alors, regardez-moi ça. Oh, dis donc. Alors, en fait, là, je vais faire encore un rebord. Je voulais changer un petit peu la forme de la tour. Et rajouter un petit peu comme des croix à cet endroit-là. Donc, j'ai augmenté la hauteur, effectivement, ici. Et donc, on aura les créneaux qui viendront en haut. Alors là, par contre, je suis en couleur jaune. J'espère que ça va aller. Et que je ne serai pas obligé de mettre des barrières en fer tout en haut. Mais voilà. Alors du coup, voilà. Autre petite astuce. Alors je ne sais pas si ça se voit quand même un petit peu. Donc j'ai fait le contour de la croix pour la chapelle hein, qui sera là. Donc en bleu. Et regardez-moi ça. Enfin en bois. Et il y a un viewer qui m'a donné l'idée. C'est vrai que je l'avais fait à un autre endroit. Et je trouvais que la clé éclairait bien. Mais là, j'y avais pas pensé. C'est de mettre, regardez, une clé des cryptes, ça fait une jolie couleur bleue à l'intérieur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment super joli. Voilà. Et les oiseaux qui continuent à se poser partout, mais bon, ça sert à rien de tuer toutes les mouettes, hein, sinon après il n'y en aura plus. Allez, je vais poser ça, je vais faire un petit dodo, et je continue ma petite tour, tranquille, mais bien sûr. Bon, fallait vraiment que je ramasse tout ce qui traînait. Des têtes de mort, des tas de trucs. Allez, regardez-moi. Oh, cette tour, si elle est jolie, mesdames et messieurs. Mais bien sûr. Voilà, bon, j'y ai passé du temps, hein, parce qu'en haut, il y avait du rouge. J'arrivais pas non plus à faire de toit. Alors, attendez. On va passer un petit peu plus par là, en espérant qu'il n'y ait pas trop de gobelins. J'ai pas envie de me fighter tout de suite. Voilà. En fait, j'ai fait un petit toit, mais légèrement en recul. Il est légèrement en recul, là. Donc, on a vraiment la place de circuler tout autour. Ah bah, tiens. Quand on parle du loup. Bonjour monsieur, voilà, hop là, on s'en débarrasse vite fait, entre guillemets, et puis il y en a un autre qui en veut une, ok, il en veut pas, si, allez viens là, oh il y a un gros pépère, oh là 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 là, oh là 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 là, dis donc, ah oui, attends faut pas, ah oh, zut, qu'est-ce que j'ai pas besoin, ah oui j'ai une attaque de sortling aussi, c'est pour ça que vous voyez des trucs comme ça, qu'est-ce que c'est qui reste aussi, des piastres, quoi. Non, mais moi, j'en veux pas, tout ça, là, on s'en fiche. Voilà, donc du coup, vous voyez, la tour, elle avance, elle est plutôt sympatoche. Et surtout, hein, ça sera la plus grande tour, puisqu'en fait, logiquement, comme c'est la partie la plus vulnérable, enfin, pas vulnérable, mais c'est la partie pleine, où on a les gobelins qui peuvent attaquer, etc. Donc, ça me paraissait legit d'avoir une sorte de donjon, on va dire, à cet endroit-là. Voilà. Alors, du coup, ce que je vais faire, je vais quand même passer par là. Les couleurs de ce jeu sont quand même magnifiques. Purée. C'est quand même sympa, hein, là, tous les rayons de soleil et tout ça, c'est quand même super joli. Alors dans la maison, hein, j'ai quand même gardé des trucs, regardez ça, c'est à force que des gobelins m'enquiquinent.
un petit peu. Voilà, donc du coup, allez, on va prendre les raccourcis. Quand même, j'aime beaucoup l'entrée de mon château. Hein, je la trouve vraiment, vraiment sympatoche. Hein. Elle envoie. Allez, aujourd'hui, on va s'occuper aussi maintenant de la chapelle, les amis. Alors, je vais modifier un petit peu l'entrée. Très très légèrement. Bon, déjà, on va mettre deux grosses portes en bois. On va voir pour mettre un socle en pierre. Et ce que je voudrais en fait, c'est pouvoir monter et faire un genre de petite rosace. Alors, je sais bien qu'on peut pas les faire en pierre dans Valheim de base, hein, parce qu'on peut pas mettre des blocs dans tous les sens. Mais on va voir à se faire un truc en bois plutôt sympa. Également, ce que je vous ai pas montré en plus de la tour. Regardez là, j'ai fait un joli socle. Oh que oui, tout en pierre. Donc j'ai monté à certains endroits stratégiques. Donc j'ai monté un petit peu la pierre, hein, parce qu'en dessous il y a des gros trous assez profonds. Hein. Mais comme ça, regardez, ça fait un sol plutôt sympa. Et si on pète une pierre, ça pourrait faire une oubliette. Voilà, avec des passages secrets et tout ça. Oh, dis donc. Mais bon, ça sera une bonne base, hein, pour la future tour. Donc qui sera à cet endroit-là. Mais pour l'instant, je vais m'occuper de la chapelle qui va être là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être doubler. Là, je vais voir, je vais monter un petit peu, un tout petit peu la hauteur ici, hein, comme on a déjà les vitres et tout. Je monte un tout petit peu les côtés, les amis, et on se retrouve pour voir un petit peu et je vous explique ce que j'ai fait. Allez, j'ai du matos à aller chercher, faut que je me vide et tout ça. C'est parti. Des portes, alors pas des pénitentiaires, hein, bien sûr, mais de la chapelle, comme ceci. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, vous allez voir, donc ici, on va fermer. Pouvoir mettre des blocs de pierre par-dessus, bien sûr. Comme ça, donc ça, c'est bien. Donc, ce que je vais faire également... Tac, alors ici, on va ouvrir. Je le sais, comme ça. On va mettre des blocs de bois qui vont être juste derrière, comme ça. Alors, par contre, eux, je vais les mettre dans ce sens-là. Qui vont être juste là. Hop. Comme ça, c'est bien, ça va être fermé de ce côté-là. Et donc ici, on va avoir des pierres. Alors, question, à quelle hauteur je vais faire monter le truc? Je suis en train de me demander si je mets des gros blocs ou si je fais des trucs en quinconce, ça fera peut-être plus joli. Par contre, ça m'oblige à en mettre beaucoup plus. Mais d'un autre côté, ça fait plus joli, quand même. Si on met des comme ça. Vous voyez, pour faire un truc en quelconque. Donc là, en fait, je vais être ici. Et là, donc celui-là, il va être dans l'autre sens. Il va être dans ce sens-là au-dessus. Vous voyez, ça fera sympatoche. Donc en fait, je peux faire ça comme ça. Hop, ça fait plus joli au niveau de la construction. Vous voyez, des trucs dans ce style, ça fait quand même sympa. On voit que les pierres sont en quinconce. Alors là, en plus, comme on est prêt, c'est quelque chose qui est prêt, ça se verra. Donc du coup, je pense que ça vaut le coup de le faire. Ouais, je pense aussi. Alors du coup, bah, je vais faire pareil de ce côté-là, etc. Allez, je monte mes murs de cette façon-là, les amis. Hein, tranquillement. Parce que là, faut que je me mette des échelles, tout ça. Hein, bien sûr. Et on se retrouve une fois que j'ai fait tous mes murs. Et peut-être le début de la rosace pour voir qu'on la fasse ensemble. Ouais, c'est une bonne idée, ça, bien sûr. Allez, tiens, une petite astuce, les amis. Quand vous avez un décroché à cet endroit-là, donc pour faire des petits avant-toits, pour faire des choses un peu jolies comme ça, en fait, ce qu'il faut, c'est céder des demi-bâtons, j'allais dire. Donc, si j'appuie sur 5... 5 qui est là. Voilà, on a ces bâtons-là. Et moi, je m'en sers extrêmement souvent pour des tas d'applications différentes. Et par exemple, pour mettre des trucs comme ça, c'est quand même super pratique. Donc quand on veut faire dépasser de la moitié d'un bloc, des choses comme ça, donc ça aide vraiment beaucoup. Hein. Donc soit on peut le mettre directement, soit s'il n'est pas d'accord, parce que des fois il n'est pas d'accord. Tu vois, on peut mettre un bâton vertical, j'ai dit. Ouh, mais remarque, même horizontal, je suis sûr que ça marcherait en mettant un truc comme ça et donc le bout juste qui dépasse. Tiens, regarde, tu vois, bon, ça marche, magnifique. Et donc du coup après, ça nous aide à mettre un toit. Donc à 26 degrés par exemple, qui serait donc encastré juste là, qui dépasse de chaque côté. Je trouve ça plutôt sympathique. Alors bon, on n'est pas obligé de laisser après les bouts comme ça, on peut les récupérer. Et après, donc on n'a plus qu'à mettre notre toit de l'autre côté, celui qui a 26 degrés qui est là. Voilà, dans l'autre sens, donc qui soutient là. Alors pour que ça fasse évidemment joli,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des petits bouts de bois. Comme ça, ici. Un autre comme ça, ici. Juste là, ça fait beaucoup plus fini. Et même si on veut pousser mémé dans les orties, quoi, j'ai plus de bois, crotte de bique. On peut rajouter une petite croix qu'on a, des petites croix qui sont là, voilà. Ici, là. Bon, là, j'ai plus de bois, je vais le faire après. Alors, également, autre petite astuce que je vous montre, c'est au niveau des linteaux. N'hésitez pas à faire des doubles, voire des triples linteaux. Ici, vous voyez, hein, j'ai fermé la fonction pied alors que devant, on avait une avancée ici. Hein, pour pouvoir donner des effets de profondeur. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt sympathique à faire. Remarquez, je suis en train de voir que là, j'aurais presque pu mettre un truc plein. Enfin, un dégradé comme ça, ça ferait peut-être plus joli. Ou pas. Bon, je vais voir. Je vais voir est-ce que je mets un bloc comme ça. Ou je laisse un bout de bois comme ça. Ou je vais peut-être rajouter une petite traverse ici. Je vais voir. Ouais, on verra qu'est-ce qui fait le plus joli. Mais voyez, pour faire des petits toits comme ça, c'est des petites astuces, hein, juste pour faire dépasser les trucs avec des demi, ce que j'appelle les demi-bâtons, hein, comme ça. Voilà, c'est sympa. Allez, je continue mon avancée, les amis. Bon, je monte tranquillou les pierres. Oh, ça commence à avoir de la couleur un peu rouge, là, on va voir. Je vais peut-être être obligé de mettre quand même un poteau en ferraille sur le côté, on verra. Alors, petite astuce, je vais prendre des poutres en bois. Vous voyez, quand on a un escalier comme ça, on peut adoucir l'escalier et effectivement camoufler les petites retrousses qu'il pourrait y avoir avec la touche Shift. Hop là, comme ça, en mettant juste des petits blocs de bois. Bim, toujours nos petits blocs de bois qui nous servent bien. Voilà, on peut en mettre comme ça, on peut en mettre également juste... Ah mince, là, je vois pas bien. Je vais être obligé de monter là-dessus. On verra peut-être un petit peu mieux. Bon, c'est même pas évident. Juste là, comme ça. Hop là, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Et donc là, juste ici, comme ça, on est pas mal. Voilà, ça camoufle pas mal les petites retrousses qu'il peut y avoir. Je ferai pareil au-dessus quand je vais attaquer le dévers. Tiens, d'ailleurs, je sais même pas si ça passe. Tiens, on va pouvoir essayer ça ensemble. Alors, je vais monter ici. Je vais monter ici. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que les briques, elles passent? Alors, ici, il faut que je monte encore d'un cran comme ça. Donc, je vais mettre une demi-pierre. Ça va être bien rouge, ça, madame. Hein, j'ai peur que ça tienne pas longtemps. Je crois que je vais être obligé de mettre des petites poutres en ferraille qui partent du bas. Oh, purée. Je voulais pas le faire, mais je crois que je vais être obligé. Voilà, mettre en fait. Donc là, si je mets un bloc. Attendez, si je garde le truc comme ça. Là, il faut que je sois en dévers ici. Comme ça. C'est pas sûr que ça tienne. Quand ça va s'updater, je crois qu'il va pas être content. Ah, ça a l'air de tenir encore pour l'instant. Je voudrais au moins faire un toit en pierre en pointe. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc là, pareil, on va remettre un petit bout de poutre juste ici. Toc, toc, toc. Alors, attendez, je me rapproche un petit peu. Hein. C'est pas évident. Hop, avec le soleil dans la goule. Bim. Voilà, donc c'est pas mal camouflé, le petit retrousse. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors, écoutez, j'essaye de monter au maximum, là, à mon avis. Ouh là là, je pense que je vais être limite. Parce que là, ce que je voudrais, c'est faire un toit à 45 degrés. Un petit toit à 45 degrés comme tout à l'heure. Alors là, c'est pareil, hein, la petite astuce, vous voyez, on peut s'aider d'un truc ici comme ça. Non, si je suis devant, il va pas vouloir. Voilà, ici, et effectivement mettre un truc à 45 décalé d'un cran grâce au bloc que j'ai posé où j'ai failli me croûter la goule. Ici. Alors, comme il veut pas, dans ce cas là on lui en met un grand pour qu'il comprenne. Voilà, comme ça, hop. Et dans ce cas-là, juste après, je mets ce truc-là ici. Voilà, et là, j'ai mon toit qui va pouvoir partir ici. Je pense que ça va être sympa. Là, je vais avoir du mal, à mon avis, à faire ma hauteur comme je veux. À mon avis, avec les pierres, là, je vais être un petit peu limite. Tiens, par contre, au-dessus, ici, ça serait sympa de mettre un truc comme ça. Pas sûr que ça tienne, mais ça serait sympa de faire un truc comme ça pour la rosace. Tiens, voilà, ça casse. Bon, bah, je pense que je vais être obligé de mettre des poutres en ferraille. Ah, crotte de bitch. Un beau cadre en fer, les amis. Bon, donc, du coup, mes pierres sont passées vertes. Voilà, donc, je vais pouvoir monter à 45 degrés comme je voulais monter mes pierres au maximum. Bon, par contre, quand vous montez à des hauteurs comme ça, comme j'ai fait, pensez à manger de temps en temps.
Voilà. Parce que là, j'avais pas fait attention à ma vie. Et j'étais tout en haut, je suis tombé, paf, je suis mort. Bon, alors, ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois, ça baisse mes compétences. Donc, c'est un petit peu embêtant. Bon, je vais pouvoir retirer mes échelles. Finir enfin mon truc en pierre. Mon truc en pierre. Et puis, dès que j'ai fini ça, eh ben, écoutez, on se retrouve pour la suite des opérations. Pom, pom, pom. Voilà. On a marre de mourir, crotte de biche. Bon, je vais monter mes pierres. Bon, bah, ça avance tranquillou, ça, les amis. Alors, j'ai fait un petit dessin en bois. Comme ça, je trouvais ça joli. Simple, efficace. Donc, comme tout à l'heure, hein, j'avais mis, on fait dépasser un petit peu. Et donc, au niveau de la façade, là, on est pas mal. Alors, là, du coup, ce que je me suis dit, je vais dessiner une petite rosace toute simple. Sans prétention. Je pense que le mieux. Ouais. Alors ça, le problème, c'est qu'on en a dans ce sens-là, mais pas la verticale. Donc c'est dommage parce que sinon on aurait pu utiliser aussi ces croix-là. Mais je pense que le mieux, ça va être de faire un truc relativement simple entre guillemets, hein, entre guillemets, comme ça. Voilà, de mêler des trucs comme ça. Peut-être en rajouter une ici, ça ferait joli. Comme ça. Voilà, un truc dans ce style, c'est sympa ça. Tu vois. Éventuellement, on pourrait presque rajouter des petits bâtons sur les côtés comme ça, 45, mais. Et encore, c'est même pas obligatoire. Attends, je regarde ce que ça donne quand même. Est-ce que ça fait pas un petit peu plus joli? Comme ça? Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait un peu plus travaillé, quoi. Et encore. Ouais, faire un truc simple comme ça. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? C'est pas mal, hein? C'est mignon. Ça fait rentrer la lumière. Allez, à te juger pour un truc comme ça. Voilà. Bon, évidemment, on peut pas faire le même genre de dessin. Si j'aurais pu éventuellement mettre des trucs droits ici et puis garder un dessin là. Bon, en fait, tout est possible hein, avec Valheim. Hein, c'est ça qui est bien, c'est que au niveau des croisillons, on a quand même du choix. Mais en vertical, pas tant que ça. Parce qu'en fait, on a du 45, mais on n'a pas du 78. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, on peut pas faire les mêmes dessins qu'au sol. Mais écoutez, c'est déjà pas mal. Bon, bah écoutez, ça avance tranquillou. Ce que je vais faire, donc là, j'ai un truc là. Bah, je vais monter le mur derrière. Je commence à poser mes toits. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Encore les mouettes. Moi, j'aime bien les mouettes. Alors, du coup, pour le toit, je vous montre quand même vite fait, les amis. Donc là, j'ai fait un panneau en bois hein, de ce côté-là. Pour bien trancher avec la pierre qu'il y a derrière. Et en plus, ça m'arrangeait parce que j'avais pas envie de faire encore une grosse armature. Et en fait, je trouvais que ça faisait joli. Alors, ce que j'ai fait aussi. Voilà, on s'en voit pas. Donc, j'ai fait une petite fenêtre à cet endroit-là. Voilà, c'est mignon. Alors, pour que le toit tienne. Donc, vous voyez, j'ai été obligé de faire une armature avec des poutres de 4 mètres. Donc voilà, comme ça, là, c'est vert en touchant là. Et donc là, du coup, on est bon, c'est rouge. Mais au moins, ça permet de faire tenir les bords qui sont ici. Hein, parce que sinon, ça tenait pas. C'était quand même embêtant. Donc également, pour que ça tienne bien, ce que je vais faire, j'ai commencé à le faire de l'autre côté. Mais alors, par contre, je les ai mis à l'intérieur. C'était peut-être pas une bonne idée. Je pense que je vais être obligé de les mettre en extérieur. Parce que là, si je les mets là, en fait, je suis pas sûr que ça touche. Ah, si ça touche le toit. Ah, si ça touche le toit. Bon, alors si ça touche le toit, alors c'est bon. Parce qu'il faut absolument que ça touche le toit pour transmettre en fait la couleur bleue et que du coup je puisse mettre. Parce que sinon, ici, si je mets un toit direct là, ça va pas tenir. Que si je mets ça entre les deux, là dans ce cas-là, ça va tenir au niveau du toit. C'est ça qui est complexe à comprendre. Enfin. Pas tant que ça, mais je veux dire pour que bah, tout tienne bien debout, Madame Chongier, vous voyez. Et puis d'ailleurs, il se met pas forcément toujours bien. Donc on va casser celui-là, puis on va le recoller correctement. Enfin voilà le concept, les amis. Hein. Donc je m'amuse à faire mon toit. Et puis bah voilà, et là ça va être la fin de la chapelle. Super, elle va être mignonne, cette petite chapelle à son pépère. C'est pas une mauvaise idée de faire un truc dans ce style. Hop là, chacun d'un côté, j'en mets deux. Je vais être obligé de le mettre juste là. Attention. Et bon. Voilà.
Ouais, c'est bien, ça fait un petit hôtel bien sympathique. On pourra mettre des trucs dessus, mais ça me convient, ça me convient. Voilà. Alors le tout, quelques bancs et tout. Et regardez-moi cette ambiance. Oh, les amis. Et voilà une petite chapelle. Alors il n'y a aucune décoration. Je pense que je vais rajouter deux petites bannières là, peut-être au-dessus des portes. Vous voyez, une ici, je pense que ça fera sympa. Voilà, deux, trois, allez, six bancs, on va dire maximum. Et puis, ma foi, regardez-moi cette ambiance. Moi, je dis que ça le fait bien. Voilà. Et voilà les amis, c'était une jolie chapelle du château. J'espère que cet épisode vous aura bien plu. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à construire ça en mode tranquillou. Regardez, j'ai même rajouté des trucs. Je vais rajouter des trophées là-dessus quand même. On va se faire un peu plaisir. En attendant, bah, prenez bien soin de vous les amis. Et je vous donne rendez-vous sur deux prochaines aventures de On construit un château fort. Tchou tchou tchou, des bisous à tous.